Hey, bonjour à toi, vil palefrenier. Aujourd'hui, on va s'occuper de la bite. Alors, déjà, je vais pas ouvrir le moteur, genre changer les roulements de vilebrequin et compagnie. Peut-être essayer de les contrôler, mais je sais pas si je vais l'ouvrir. Première étape, déjà, il faut que je le démonte pour pouvoir nettoyer certaines pièces. Et on va déjà faire ça et ça sera déjà plutôt bien. Donc voilà, comme d'habitude, le gros de la vidéo en accéléré. Si tu as des questions, si tu as des conseils, si tu penses connaître des entreprises qui auraient du matériel, qui pourraient m'aider dans ce genre de projet, je pense à une petite cabine de sablage ou une petite cabine de peinture ou de quoi faire de la peinture proprement. C'est le gros du matos que je pourrais avoir besoin. Voilà. Bon. On va déjà essayer de démonter le pot d'échappement, la poulie, le volant moteur magnétique et carburateur. Et puis ensuite, on verra déjà dans quel état c'est à peu près. Et puis voilà, puis on va nettoyer, on se retrouvera dans l'évier où on va nettoyer un peu tout ça proprement. Voilà, allez, introduction et c'est parti. Déjà, on va essayer d'enlever le pot d'échappement. Ce sera déjà une bonne chose, ça me permettra de poser le moteur un peu plus facilement, n'est-ce pas? C'est un peu mieux déjà, pas du tout, super. Fabrique un petit support, mais ce serait pas en trop. Bon, de toute façon, il va quand même y avoir un sacré coup de nettoyage à mettre. Et le piston a l'air quand même pas mal propre. Pas l'air d'y avoir trop de mal. Bon. On va aller démonter la bougie et on va bloquer le piston. Une carburation qui est plutôt pas mal. Je sais pas si vous voyez. Plutôt propre. Plutôt pas mal. Une belle couleur chocolat. C'est très bien. Hop, la bougie. Bon, ensuite, on va caler notre bloc piston. Voilà. Et on va déjà pouvoir enlever 2-3 bricoles. Réussi à l'avoir quand même. Donc celui-là a bien un filetage normal et c'est l'autre en face qui a un filetage inversé. Je savais bien qu'il y avait une merde comme ça. Voilà. Donc là on a la partie. Ça, c'est le volant magnétique, donc c'est ce qui permet en fait de créer le courant et pour l'allumage et pour l'étincelle et pour le courant de type lampe ampoule et tout ce qui se passe. Donc voilà. Et pour info, le moteur là, je l'ai déjà démonté une fois, enfin démonté. J'ai déjà refait une fois l'allumage, mais c'était pas comme je voulais, c'était pas propre comme je voulais. Donc voilà. Et donc en gros. Ici, vous voyez, la cam, elle n'est pas forcément ronde, elle est un peu plus pointue ici. Vous voyez, on voit légèrement, ça fait comme ça. Et en gros, on a un petit allumage à rupteur que quand la cam va appuyer dessus, ça va ouvrir le circuit et c'est ça qui va décharger le condensateur dans la bobine et qui va faire l'allumage. Voilà, si simple que ça. Bon, on va essayer de sortir ce petit plateau là. Voilà. Thank you.
plateau d'allumage. Avec un espèce de joint en... en merde. Ok. Déjà, c'est une bonne chose, il n'y a pas l'air d'y avoir de jeu là-dedans. Déjà bien. Bon, on a un moteur, support moteur. Support de fil de je sais pas quoi. Le carbu. On va essayer de s'occuper gentiment de l'allumage. On va mettre toutes les pièces là qui étaient avec, avec le plateau. Comme ça, on ne se trompera pas au remontage. Pièces qu'on nettoiera une par une, propre, impeccable, bien. Et on verra ce qu'on peut faire, si on récupère le plateau ou pas. Bon, ça, maintenant. Ça, c'est l'embrayage. Ça, en fait, c'est un embrayage à centrifuge. Si j'arrive à le démonter, je sais plus comment on fait pour le démonter, celui-là. J'avais déjà sorti une fois, mais je sais plus comment on fait. Si, je sais comment on fait. Et je me rappelle. Dremel. Quand je te disais que la Dremel c'était génial, et bien sûr maintenant c'est l'autre. En fait il y a une couche de merde là dedans qui est absolument immonde, et en fait ça se fout dans les filets et c'est une catastrophe. C'est une merde sans nom, tu vois plus les filets, c'est abomifreux. Là, on le voit bien, le filet. Là, il est beau. Ok, tac. Câble, embrayage, centrifuge. Embrayage, centrifuge, comment ça marche? On a une cloche. On a une cloche là qui tourne. Et en fait, on a des ailettes. Donc qui sont pétées, bien sûr. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez? Plus ça tourne vite, plus ça va se lever. C'est un peu comme un frein à tambour, c'est le même principe qu'un frein à tambour. Et plus ça va se lever, et à partir d'un certain moment, l'inertie sera tellement forte que le volant magnétique va coller à la cloche. C'est une boîte... C'est comme ça que ça fonctionne sur les petites mobilettes, ou les scooters, ou les trucs comme ça. Bon, ensuite, ça, comment c'est fixé? Oh putain, on a un circlip là-dedans. J'aime pas les circlip parce que j'ai pas de pince à circlip. Seule pince à circlip que j'ai, elle est éclatée et j'arrive à rien faire avec. Si jamais il y en a certains qui ont des pinces à circlip en trop, n'hésitez pas à me faire signe. Il faudrait gagner un temps très précieux. One eternity later. Bon, j'ai un petit peu galéré. J'ai regardé sur internet parce qu'en fait, j'arrive pas à sortir ce variateur. Donc du coup, en fait, il y a deux rondelles qui sont très difficilement accessibles en dessous et encore un circlip. Voilà, c'est super. Donc on va s'y attaquer tranquillement et puis bah c'est parti. Aïe, j'ai enfin réussi. Ok, donc on a bien deux circlips. On a la cage à aiguille. Là. Et on a le variateur. Bon, on verra peut-être plus tard, ça c'est pas très très grave. Mais au moins, on a réussi à démonter le variateur. C'était une galère à démonter. En plus, j'ai pas de pince à circlip. Donc c'est une merde sans nom. Mais j'ai réussi, enfin. La cage à aiguille a l'air d'être dans un état relativement bien. On va la nettoyer. On va nettoyer surtout le moteur. On va démonter le carburateur. Voilà. Et là, je vais m'occuper de démonter les quelques pattes de fixation. Donc on en a une là,
une ici. Et comme ça, j'aurai vraiment accès au moteur et je pourrai tout nettoyer et faire bien propre autour. Et ensuite, je peindrai le bloc à la température, à la peinture haute température, histoire que ça soit bien propre. Donc voilà. Bon, allez, on va démonter ça tranquillement et puis ça va faire. Allez, go. Le moteur, enfin le bas moteur au nettoyant frein, j'ai pas nettoyé à l'eau bien sûr à cause de tout ce qui est interne. Et là du coup bah je vais m'amuser tout doucement à nettoyer le gros de merde séché là qui coagule un peu partout avec un petit pic, avec pic, petite brosse métallique, enfin, ce que je trouve pour que ça soit à peu près propre. Et ensuite une fois qu'il sera tout bien propre comme il faut, eh ben, je vais le peindre. Je vais le peindre à la haute température pour que ça tienne et que ce soit un minimum plus esthétique. Donc voilà. Donc, je vais vous mettre un petit accéléré et puis bah, ça va mettre un peu de temps, mais... Mais voilà. Allez, c'est reparti.
Le moteur est... Enfin, le bas moteur. Donc, je fais partie par partie. Je vais faire bas moteur, le cylindre et ensuite la culasse. Donc là, j'ai nettoyé toute la partie bas moteur. Tout est propre. Bon, je vais mettre un dernier coup de soufflette. Et ensuite, je vais peindre ça. Alors, il y a peut-être pas forcément besoin de peindre à la haute température, bien que le bloc va chauffer un minimum. Mais j'ai de la haute température et je vais peindre ça en espèce d'argenté, un truc un peu propre. Donc voilà. C'est grosso modo ça. Et donc je vais m'en occuper. J'ai protégé les axes de chaque côté, le moteur, j'ai tout fermé. Enfin, tout est bien quoi. Donc voilà, on va mettre un dernier léger coup de brosse aux derniers endroits que j'aurais pu oublier et puis on continue. Allez, bon. Préparer ma mini cabine de peinture. Donc ouais, je vais le faire d'une couleur un peu argentée, un truc qui ressorte un petit peu, que ça fasse beau. Donc voilà. Voilà, maintenant, on attend que ça sèche. Allez, des bons gros V, bien massifs à tous.